Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Excusez-moi pour le retard. Hein. Excusez pour le retard. J'espère que le son est bon là-bas. Signalez-moi si le son est bon. Rapidement. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, le direct ne sera pas long. Connectez-vous. Connectez-vous. Bonsoir à tous. Connectez-vous et partagez. Hein. Partagez le direct. Partagez le direct. Hein. Partagez le direct. Ok, merci, merci. Le son est bon. Très bien, merci. Oui. Moi, je vais faire un autre truc ici. J'enlève même pas le papier ici, là, puis fais la publicité, ma ça. Partagez le direct, s'il vous plaît. Merci pour les cœurs, merci. Merci pour les cœurs. Partagez, partagez. Excusez un peu pour le retard, hein. Il est 17h30. Donc, partagez, partagez. Connectez-vous rapidement. Connectez-vous et on commence. Partagez le direct. Le direct ici est très important, hein. Très important. Connectez-vous rapidement. Partagez, partagez, partagez. Merci, merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Nous sommes désormais 5000. Merci pour la vidéo de la dernière fois. Sois béni, frère. Amen. Connectez-vous rapidement et partagez, s'il vous plaît, partagez. Très important. Nous sommes désormais 55 000. Je vous dis merci. Je vous ai dit que cette chaîne a été créée pour aider les jeunes. N'est-ce pas? Donc, connectez-vous rapidement. Dans 3 minutes. Dans 3 minutes, on commence. 3 minutes. Connectez-vous. Merci, merci pour le cœur. Merci vraiment, merci pour le cœur. Merci pour le cœur. Merci pour le cœur. Les autres viendront petit à petit, c'est vrai. Partagez alors. Vous voyez le nombre de partages là, c'est peu. On ne peut pas commencer un direct avec 20 partages. Faut au moins, on fait au moins 100, même 200. Tu es engagé sur le sujet de l'autre jour, la basse. On a tourné la page sur ça. C'était une parenthèse. On revient à nos moutons. Ce n'est pas l'objectif de cette page. Merci, merci pour le cœur. Comment va ta femme et mes enfants? Ah, Désiré, si elle pouvait t'allumer là où tu es là. Vous faites souvent les blagues comme ça. Comme les femmes sont ce qu'elles sont là. Tu peux voir comme ça, c'est toi le vrai père de mes enfants. Hein? partagez, nous sommes à 85 partages. Bon, à 100 on commence, à 100 partages on commence. Elle dit que comment va ta femme et mes enfants? Comment vont ta femme et mes enfants? Mais ça. Vous aimez souvent faire les blagues de minuit, vous venez faire à 10h. Bon,
Bonsoir Emmanuel. La vie ne dose pas encore, mon frère. On se bat encore. On se bat. C'est encore chaud, mais ça va aller. Bien. Vous savez, le digital aujourd'hui est. Franchement, le digital aujourd'hui paye. Ça paye, surtout quand on maîtrise les louanges. Pardon. Quand on maîtrise les. On maîtrise toutes les techniques. Parce qu'il faut connaître comment faire pour manger l'argent des gens là. Ce n'est pas facile, hein. C'est pas facile comme le porte-monnaie magique comme les gens pensent là. Par exemple, quelqu'un m'entend là que oh, tel touche 1 million, tel touche 2 millions sur YouTube, sur Facebook. On croit que c'est facile. C'est le travail, les gars. C'est le travail. Je vous assure. Partagez le direct, hein. Partagez le direct. Parce que je vais dire, ce soir-là, ce soir-ci, c'est très important. J'ai apprécié la formation sur YouTube à Douala. Ok, mon frère. Même comme beaucoup n'ont pas assisté à cette formation, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'était moins cher. Comment créer la chaîne YouTube jusqu'à la monétisation. C'est mon manager Patrick Nyikambia qui formait quand il était à Douala. Mais bon, ceux qui sont venus, comme celui qui témoigne là, ont apprécié la formation. Oui. Vous savez, gars, même si on a quel diplôme, aujourd'hui là, c'est jamais, hein. Vous avez vu comment les jeunes d'aujourd'hui émergent sur les réseaux sociaux. Les gars ont beaucoup d'argent. Beaucoup ne cherchent même plus au travail. Ils se lancent eux-mêmes sur les réseaux sociaux, mon frère. Ils gagnent leur vie. Je vous assure. Mais, ce n'est pas facile parce que celui qui gère ta page doit d'abord te compliquer les choses. Celui qui crée même, parce que même pour créer, ceux qui ont eu à contacter certaines personnes pour la création, même ceux qui m'ont appelé que, gars, je veux que tu crées ma chaîne, vous savez combien ils vous demandent souvent. Ils vous donnent souvent les prix où je veux, seulement que vous ne m'appelez plus parce que je suis trop occupé. Donc, c'est-à-dire que quand je lance une séance de formation comme ça, il faut profiter au maximum. Parce que les gens ne vont pas se former pour après me demander que, pardon, aide-moi à créer ma page, pardon, aide-moi à créer ma chaîne. Dès que tu me dis ça, je te dis 500 000. Là, tu fuis une fois. Tu m'appelles même plus. Franco Lignon, oui. Pardon, je voulais que tu crées ma chaîne YouTube. 500 000. Tu pars une fois. Mais quand je lance les formations, quand on lance les formations, personne ne se forme. Elle veut seulement que toi, tu travailles pour eux. Gars, il faut se mettre au travail. Si tu veux gagner l'argent, il faut investir. C'est comme ça. Il n'y a aucun milieu, il n'y a aucun endroit, il n'y a aucun business où tu peux gagner de l'argent sans investir. Dis aucun, ça n'existe pas au monde. Ça n'existe pas. Même le porte-monnaie magique que vous êtes derrière aujourd'hui là, on vous demande toujours une somme avant de multiplier la somme là. Mais donc, c'est qu'il faut toujours investir avant de gagner. Heureusement, j'ai trouvé des stratégies maintenant. J'ai trouvé des stratégies. C'est-à-dire que même une place, même si tu es seul dans ta chambre, je te forme. Tu es couché sur ton lit, je te forme. Quel qu'en soit le domaine. Donc, c'est-à-dire que si, même si c'est la création de la page officielle Facebook, même si c'est la création de la chaîne YouTube, même le montage vidéo, ils sont nombreux là. J'ai été même surpris aujourd'hui, mon direct d'hier, j'ai eu 7 inscrits. 7! Oh, aujourd'hui, pour la formation en montage vidéo, 7 inscrits étaient dépassés. Les gars, en fait, ne savaient pas comment ils devaient se former, parce que la formation en ligne est compliquée. Quand on dit que on doit lancer une vague, vous devez être connecté. C'est pas évident. Parce que d'abord les différences d'heure. Celui qui est en France ne peut pas avoir la même heure avec celui qui est au Canada, ou bien aux États-Unis, ou bien au Cameroun. Vous voyez un peu? Buzz le mignon depuis les États-Unis. Bravo! Salut mon frère!
Donc, c'est un peu ça. Et j'ai trouvé une stratégie. Gars. Ça veut dire que, les jeunes là, les gars, mettons-nous au boulot, mon frère. Mettons-nous au travail. J'ai trouvé une stratégie terrible. Même mon manager m'a dit que, gars, tu es fort. Oui. Je ne peux pas venir ici balancer ma stratégie. Gars, mec, j'ai pour le temps pour réfléchir sur la stratégie là. Pardon. J'ai pour le temps pour réfléchir comment je vais faire. Bah, c'est compliqué parce que la formation en ligne, vous allez voir, généralement, il faut que vous vous connectez. Et c'est même pas ça qui est le plus dur. Parce que payer la formation, les Bengis payent facilement la formation. Mais la connexion parfois, mon frère, au pays, c'est la connexion au pays, alors c'est la mort. La connexion. Même ceux-mêmes qui sont au pays, qui payent pour la formation en ligne. Tu vas voir que quand on lance une formation, vous pouvez imaginer, vous vous connectez pendant 7 heures de temps. Vous pouvez imaginer un peu le nombre de mégas que ça peut manger pendant 7 heures. Si on dit même que 5 heures de formation, vous pouvez un peu imaginer. Et quand on dit formation en ligne, c'est que si tu rates, tu as à payer, c'est fini. Oh, la stratégie, si ton argent ne tombe pas dans l'eau, mon frère. Tu te formes quand tu veux. À l'heure que tu es libre, tu n'as aucune pression. Tu ne cours pas sur le temps. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça veut dire que tu me donnes ton programme. Je te forme selon ton programme. De A à Z. Oui. C'est comme ça. Parce que, en fait, c'est ce qui empêchait beaucoup. Parce que beaucoup demandaient que, mais, par exemple, si ils programment la formation à 10 heures, comme par exemple, la formation que vous avez vue à Douala, il y avait au moins 300 personnes qui m'avaient contacté pour la formation là, mais le temps. Ceux qui étaient présents, ils étaient 27. Où c'était 27? Je ne me rappelle plus très bien où c'était 22, où c'était 27. Vous voyez un peu? C'est quoi? Tu veux quoi? Hein? Ouvre la porte. Une minute, s'il vous plaît. Voilà, donc j'ai mis des techniques sur pied. Parce que, vous savez, c'est un avantage si tu connais déjà créer la page officielle qui peut te monétiser. Parce que le tout n'est pas de créer. Tu veux de créer une page ou une chaîne qui peut te produire de l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'explique là. Faut créer une page ou une chaîne qui peut te produire de l'argent. Parce qu'il y a des personnes que vous contactez même. Ils vous créent des chaînes. Mais au moment de la monétisation, vous dites que c'est impossible. Parce que la chaîne n'a pas respecté la création. Pendant la création, n'a pas respecté les conditions. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, beaucoup se lancent sur le digital aujourd'hui. Et sans vous mentir, le digital paye. Vous êtes au 237. La formation 237. Moi, je ne peux pas venir expliquer ici. Vous comprenez un peu pas. Mais sinon, je suis en train de vouloir lancer une formation à Douala en janvier. Après les fêtes. En janvier, je vais vous communiquer la date. Sur les trois formations. Création de la chaîne YouTube. Création de la page officielle Facebook. Montage vidéo. Les trois formations là. 15 000. Seulement, ça c'est pour aider mes frères Camerounais. Ceux de la diaspora là, ils peuvent vous dire combien ça coûte ces trois formations là. Donc j'ai dit 15 000. Maintenant, si quelqu'un veut anticiper la formation, étant au Cameroun, c'est 25 000. Ça c'est pour le montage vidéo, c'est 25 000. Mais si tu veux te former une place, c'est
C'est 25 000. Donc, si c'est pour la création de la chaîne YouTube, c'est 25 000. Mais si vous voulez attendre la formation collective en janvier, oui, vous patientez. Vous comprenez un peu. Maintenant, en ce qui concerne ceux de la diaspora, ne vous inquiétez plus. Il n'y a plus question que l'heure que tu as programmé la formation, ça ne coïncide pas avec mon heure. J'ai réfléchi longtemps et j'ai trouvé une solution à ça. Parce que même les deux jours que j'avais programmé l'autre formation, vous voyez, la dernière formation, quelqu'un me dit à Yaoundé, alors, Yaoundé, c'est pas au Cameroun. Vous voyez, la dernière formation que j'avais lancée, il y a eu 15 inscrits. Il y a eu 15 inscrits. Parmi les 15 inscrits, ils étaient dans des divers pays. Cependant, c'était compliqué. Donc, c'est le jour même de la formation, à 10h même, comme je vous dis là, Enio avait coupé au courant. Enio avait coupé au courant. Donc, c'est-à-dire que sans la stratégie que j'ai mis sur pied là, ça devait échouer. Imaginez que tout le monde avait sacrifié son boulot pour attendre la formation. Moi, je ne suis pas connecté. Parce qu'il n'y a pas le courant. Ça devait se passer. Comment on devait me traiter d'arnaqueur? Mais j'ai réfléchi à ça à la veille. Parce que, déjà dans le groupe, les heures, d'autres disaient que je suis disponible à midi. D'autres disaient que je suis disponible à 17h. D'autres disaient que je suis disponible à 22h. C'était donc compliqué. Bon, avec la stratégie que j'ai créée, à tout moment, même une place, je te forme. Tu es chez toi. Ça a plusieurs avantages, en fait. Ça a plusieurs avantages. Peu importe la formation, soit en montage vidéo. Hein. Ça a plusieurs avantages. Premier avantage, tu ne cours pas le risque à prendre la moto ou bien le taxi pour aller suivre la formation. Tu es chez toi. Deuxième avantage, tu te formes en montage vidéo à Rostan Prop. Oui, je confirme, j'étais à la formation de Kouaban. Ok. Étant chez toi, tu dépenses moins d'un giga. Je parle bien français. Tu dépenses moins d'un giga pour te former en montage vidéo de A à Z. Si c'est pour YouTube, tu peux dépenser peut-être 500 mégas avec la stratégie que j'ai mis sur pied. Donc, c'est-à-dire que tes mégas ne souffrent de rien. Tu tapes ta connexion de 2 gigas, tu finis ta formation propre. Ta connexion de 2 gigas, c'est 1000 francs. Non? Tape le code, ça te donne 1000 francs, ça te donne 2,5 gigas même. Tu finis ta formation. Vous comprenez un peu? Donc, moi, j'ai longtemps, parce que les gens m'ont beaucoup contacté pour les formations, parce que beaucoup veulent se lancer sur les réseaux sociaux. Et la formation en montage vidéo que je vous dis là, allez un peu dans les centres de formation professionnelle, vous renseignez. C'est 200 000. C'est 200 000. Il y avait aussi un autre problème, ceux de la diaspora. Au début, c'était compliqué. Comme dernièrement que j'ai lancé la formation à Douala, beaucoup ont eu les difficultés parce qu'ils n'avaient pas le logiciel. Je n'avais pas encore trouvé la stratégie comment faire pour envoyer le logiciel à distance. Donc, tout cela, tous ceux qui sont en Bengla, ils les envoient au logiciel. Je t'envoie le logiciel, je fais des vidéos, je t'envoie pour te montrer comment on installe. Tous ont installé, eux-mêmes, étant chez eux. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Tout le monde peut se former étant chez soi. Plus besoin d'aller, parce que même quand vous partez vous inscrire dans un centre de formation professionnelle, même quand vous partez vous inscrire dans un centre de formation professionnelle, vous allez suivre le programme. Le quelqu'un m'envoie l'image du porc. Vraiment. Même si je suis un porc, mon frère, merci. Vous êtes des champions pour les injures. Alors, donc, j'étais soi-disant que même si vous partez vous inscrire dans un centre de formation professionnelle, vous allez suivre le programme. Et le jour que le prof vient, même si vous êtes malade, ce n'est pas son premier, il avance avec son programme. Or,
La stratégie est mise sur pied là. Tu peux commencer ta formation. Même si tu es empêché pour 3 jours, il n'y a pas de problème. On arrête et on continue après quand tu es libre. Tu peux commencer ta formation. Tu tombes malade. Il n'y a pas de problème. Ton agent ne souffre de rien. Dès que tu te rétablis, la formation continue. Et tous ceux qui sont inscrits sont satisfaits par la méthode, par la méthode que j'ai mise sur pied, que j'ai adoptée. Vous comprenez, non? Les gars, le sommeil n'est pas bien. Il faut travailler le tibia. Il faut travailler le cerveau. Je ne dors pas. Passe tout mon temps à faire des recherches, à travailler, les gars. Sans vous mentir. Merci pour les cœurs. Merci vraiment pour les cœurs. Ça, quand vous m'envoyez les cœurs là, je confirme que ce que je dis vous touche vraiment. Et ce n'est pas... Je ne fais pas dans la langue de bois. Hein. En fait, tous ceux qui ont eu à traiter avec moi, je ne pense pas un jour que vous avez vu quelqu'un venir mettre récemment en commentaire Franco le mignon malhonnête. Non. Je dis bien tous ceux. Je veux ouvrir ma page officielle. On dit qu'on veut te former. Comment faire ça? Mais toi, tu dis plutôt que tu veux qu'on ouvre. Mais vous, les gars, sont... on peut te former même pour créer les pages YouTube. Là, ça devient même ton business. Parce que moi, je n'ai pas le temps. Si moi, j'avais le temps, si je mettais seulement je créais un business sur les créations des chaînes YouTube. Il dit que par jour, au moins 50 personnes m'appellent pour créer la chaîne YouTube. Moi, je n'ai pas le temps pour faire ça. Même si je mettais ça seulement à 5 000, vous pensez pour créer, c'est quoi? Mais il faut savoir, quand tu ne connais pas, c'est la mort. Mais quand tu connais déjà, c'est rien. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est dur qu'on ne connaît pas. Mais quand on connaît déjà, c'est rien. Donc, les gars, tout le monde doit profiter de cette occasion. Et comme j'ai dit tout à l'heure, dans ma dernière vidéo, je suis en train de développer un business. Je ne peux pas dévoiler le business maintenant, mais je vais vous dire au moment venu. Je suis en train de développer un business et je n'aurai plus le temps pour les formations. Donc, ceux qui sont disponibles maintenant peuvent profiter rapidement. Ceux qui sont disponibles peuvent profiter rapidement. Qui renvoie à demain trouve malheur en chemin. Rien, peut-être, ici, un an, ça peut arriver un an, je ne suis plus au pays. J'ai d'autres choses, j'ai d'autres préoccupations, j'ai d'autres business. Tu gâtes le marché des arnaqueurs. Non. Pardon. Je ne gâte le marché de personne. Je ne gâte le marché de personne. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Vous voyez. Voilà, lisez un peu là. Voilà un message qu'il vient de recevoir. Alors, je ne sais pas si vous pouvez lire ça. Ouais, non. C'est encore un autre inscrit. Regardez, 100 000. 100 000. Là, c'est pour les Mbengis. Ça ne rit pas. Mbengis, mon frère. Ouais, non. Les gars s'inscrivent. La formation. Parce que quand tu connais, tu n'as plus besoin. Vous voyez, ce qui fait ma force. Vous voyez comme je sors tellement de vidéos. Tellement de vidéos, non. C'est-à-dire que quand moi je vois quelque chose là, tchac, je télécharge, pam, je traite directement, je découpe, pap, 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 pap. J'ai mon, soit je ferme mon téléphone, parfois quand il n'y a pas la caméra est sortie, je ferme mon téléphone, tchac, tchac, je découpe, pap, 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 je fais mon montage rapidement, pap, et je mets en ligne. Je n'ai pas besoin d'appeler peut-être le community manager pour dire que voilà la vidéo qui t'a envoyée, pardon, mets en ligne. Non. Non. Tout le monde doit donc apprendre à faire ça. Parce que si tu veux, même si tu lances la web série, tu veux aller, vous avez vu, beaucoup de jeunes aujourd'hui font leur web série avec le téléphone. L'essentiel, c'est d'avoir un thème qui fait rire. Parce que les gens viennent sur les réseaux sociaux pour le divertissement. Les gens ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour écouter ta vie. Les gens viennent se divertir. Les gens viennent se régaler. Donc, c'est-à-dire que quand, avec ton téléphone, tu as un bon téléphone, mais avec 60 000, 70 000 même. Et tous les jeunes ont les bons téléphones. Tout le monde. Les téléphones sont même devenus moins. Jamais avec 40 000, tu peux avoir un téléphone, tu peux commencer tes vidéos avec. Mais c'est-à-dire que si tu connais faire le montage vidéo,
Mon frère, c'est parti pour ton business. Imagine, tu connais créer ta page, ta propre page et travailler dans ta page toi-même. Créer ta chaîne et travailler dans ta chaîne toi-même. Fais les montages vidéo. Tu as encore besoin de quoi? Tu as encore besoin de quoi? C'est vrai que quand tu n'as pas le community manager, il faut beaucoup travailler. Mais quand tu connais à tous ces paramètres-là, et moi je donne certaines petites techniques, certains conseils, comment moi j'ai fait pour avoir le public sur ma page sans dépenser. Mais ça, c'est quand tu fais la partie de la famille. Tous ceux qui sont inscrits, dès qu'ils me posent une question, moi je réponds. Même si c'est sur leur page que, gars, il y a eu une machin, je réponds. Je te guide. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Vous comprenez un peu? Vous pouvez créer, il y a des gens qui ont des thèmes. J'ai vu quelqu'un a créé même sa page, sa chaîne YouTube dernièrement pour présenter seulement tout ce qui se passe à la chefferie à Fumban. Vous pouvez créer des concepts comme ça, on ne sait jamais. Vous pensez que vous pensez que tous ceux qui sont retrouvés influenceurs ou bien ceux qui ont eu le public sur Facebook là, au début, qui croyait en lui? C'est que tu testes. Tu peux croire peut-être que c'est la blague, mais ça prend. Et ça prend comme la blague. Les mages à qui là, vous pensez qu'au départ là, elles avaient même cru que ça pouvait marcher. Exactement, le public adhère. C'est parti. Et quand c'est parti, c'est parti. C'est comme ça. Et je n'aime pas travailler, préfère le fait où vous venez en bain. Non, même en bain. Tu crées, même en bain, si c'est chaud, tu arrives en bain, il n'y a pas au travail. Tu as tes pages là. Tu crées ton concept. Il y a d'autres qui ont créé leur concept seulement pour le tribalisme, pour insulter seulement les Bamileke. Et on regarde. Il y a d'autres qui ont créé leur concept seulement pour saboter les partis politiques. C'est monté ici, c'est monté là-bas. Les gens regardent. C'est leur concept. Chacun peut créer un concept. Tu peux créer ton concept pour montrer comment on prépare. Comment on fait tous les mets. Tu peux créer ton concept pour montrer comment la vie se passe, la vie des étudiants. Quand tu arrives en fac, la première année, en deuxième année, en troisième année, peut-être les étudiants vont aimer. Donc c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est-à-dire que il faut réfléchir. Parce que le tout n'est pas de créer la page ou bien la chaîne. Hein. Parce que même si tu crées tout ça, même si tu connais faire les montages des vidéos, tu n'as pas de projet. Ne crois pas que tu vas créer une chaîne YouTube, tu vas venir danser, danser. Ce n'est pas TikTok, mon frère. Tu vas venir danser, danser, danser. Les gens vont te regarder. Déjà que Facebook et YouTube, ils bloquent les sons des gens. Quand tu utilises la musique de quelqu'un, on bloque. Ta chaîne, ne peut jamais monétiser. Vous comprenez un peu, non? Donc, c'est que tu vas créer ton propre concept à toi-même. Tu fais tes vidéos. Tu es humoriste. Il y a les gars qui peuvent se placer devant toi comme ça. Ils parlent seulement, tu ris jusqu'à pisser sur toi. Et tu ris jusqu'à couler les larmes. Alors, tu as ta page. Tu fais des petites vidéos de 3 minutes. Tu mets là. Tu fais rire les gens. Quand les gens vont te découvrir, mon frère, quelqu'un va regarder ta vidéo une fois, il rit. Deux fois, il rit. Il va s'abonner. Et quand il va s'abonner, il va aussi présenter à ses amis que, gars, voici un nouveau gars qui vient de découvrir. Mais le gars, il me fait rire jusqu'à. Celui-là va aussi aller. C'est comme ça, ça part de bouche à oreille. Vous comprenez? Ce sont les petites techniques, les gars. Donc, même si tu fais quel business, ça ne t'empêche pas d'être sur les réseaux sociaux. Ça ne t'empêche pas de créer ton concept et de balancer sur les réseaux sociaux. Là, tu as ton business, même si tu as ton emploi, et que tu décides que tu vas mettre seulement 2 ou même une vidéo par semaine, et même si ça te produit 100 000 au mois, mon frère, vous savez combien la souffrance qu'il faut pour qu'une entreprise te paye même 200 000 au mois. Mais vous pouvez imaginer le travail qu'il faut fournir qu'on te verse les 200 000. Oh, les gars passent autant à bavarder sur les réseaux sociaux, ils ont même les 1 million, mon frère, ils ont même les 300 000 le mois. Je vous assure, l'affaire-là est venue alors sauver beaucoup de comédiens. Sauver beaucoup de comédiens. Vous avez vu les fingons, ce que les fingons réalisent aujourd'hui, avec l'argent de YouTube, Facebook. Je vais citer Kylian Moustique. Vous pouvez imaginer, les Takam, mais
Si on vous donne les chiffres des gars là, vous allez fuir. Vous allez dire non, c'est le femme là. Alors c'est le travail. Tu crées ton concept. Quand le public va aimer, c'était bon. C'était bon. Moi, quand à mes débuts, j'ai au moins 4 comptes hein, Facebook que j'ai créé. 4 comptes. Mes débuts, je n'ai même plus le temps aujourd'hui pour partager. Parce qu'il n'avait pas le comité manager. C'est-à-dire que les comptes, je ne parle pas des pages officielles. J'avais ma page officielle. Dès que je mettais une vidéo, je prends mon téléphone. Je me connecte avec un compte. Je publie sur tous mes groupes. J'ai demandé, j'ai envoyé les invitations dans les groupes même. Mon téléphone, si j'ouvre mon téléphone, là, vous allez voir, je suis au moins dans 400 groupes. Je partage dans les groupes. Et comme à un moment donné, quand tu partages beaucoup, Facebook te dit que c'est bon pour aujourd'hui. Je prends notre téléphone. Je me connecte avec un autre compte. Je partage la même vidéo. Et ainsi de suite. Je prends même 4 téléphones pour mes frères. C'est comme ça qu'ils faisaient. C'est comme ça, mon frère. Quand tu n'as pas l'argent pour payer quelqu'un pour gérer ta part, il faut te mettre ça au travail. Tu travailles dur. Mais je ne peux pas tout vous dire ici. Quand ceux qui vont s'inscrire, je vais vous dire comment moi j'ai fait. Ce n'est pas la magie. Et ce n'est pas la chance, mon frère. Il faut souvent enlever l'histoire et chance. C'est le travail. C'est le travail. Fais ce qui intéresse aux gens. Fais ce qui va plaire aux gens. Les gens vont s'abonner automatiquement. À mes débuts même, les gars me disaient que mon frère, tu ne peux même pas t'en sortir. Oh, il y a tel qui est fort plus que toi. Gars, tu ne peux. J'ai gardé mon calme. Travaillé. J'ai travaillé et j'ai resté en prière. Que Seigneur, pardon, vois mes efforts. Ouvre-moi les portes. J'ai travaillé avec le soutien de mon manager, de mon boss, Patrick Kenyekanga, qui me donnait aussi beaucoup de conseils à l'époque là. Qui m'aidait. Mais je travaillais. Dur. Tu fais les partages. Parfois, tu fais même une vidéo, tu fais même 1200 partages pour avoir même 200 vues. Et que tu fais même. Ma femme partage. Tous mes frères partagent. Toutes mes connaissances partagent. Pour avoir même 200 vues. Mais dès que ça a pris, ça a pris. Aujourd'hui, je mets la vidéo. Les gens que je ne connais même pas, les gens qui aiment ce que je fais, partagent seulement. Vous comprenez un peu, non? Donc, c'est vrai que, comme j'ai dit l'autre jour, même si tu fais la brouette au marché, tu ne t'en sors pas avec ta brouette. Ne crois pas que tu vas venir sur les réseaux sociaux t'en sortir. Parce que ne laisse pas la brouette qui dit que c'est dur. Je vais aller m'aventurer sur les réseaux sociaux parce que c'est plus facile là-bas. Sur les réseaux sociaux, alors non. C'est plus dur alors même que le pouce que tu fais au marché. Mais, comme j'ai dit, tous les domaines, quand tu es réglo, quand tu es honnête et bon bosseur, tu t'en sors. Tu vas t'en sortir. Ça va être dur pour un début. Mais après, ça va prendre. Et quand ça a déjà pris, mon frère, on dirait la banane qui va mûrir, même si on met au congélateur. Même si ça devait mûrir dans 3 jours, ça va mûrir dans 1 mois, mais ça va finir par mûrir. Donc la vie, c'est aussi la patience. Les gars qui prennent la route du désert, là, c'est parce qu'ils veulent vite gagner la vie facile. Et c'est comme ça qu'il meurt comme ça, dans la Méditerranée. Voilà, ce n'était pas le thème. Donc, on revient en disant que inscrivez-vous. Mon numéro de téléphone, c'est le 672 30 37 85. Ça, c'est mon WhatsApp. Et le numéro d'appel, ça, c'est soit mes numéros personnels que je vous envoie là. C'est mon numéro. Pour l'appel, c'est le 697-39-27-28. La vidéo de bébé marche et aussi les animaux. Oui, mais sauf que, il faut faire très attention. Hein, parce que je vois d'autres créer leur page officielle. Ils commencent à prendre les bagarres. Ils mettent les bagarres. Leur chaîne YouTube. Ils prennent les vidéos des viols. Ils prennent les vidéos des injures, de ceci, si vous mettez. Vous allez confirmer au moment venu. Parce que YouTube demande d'avoir 1000 abonnés. La condition sur YouTube.
faut avoir 1000 abonnés. Et il faut qu'on regarde ta vidéo 4000 heures. 4000 heures de visionnage. Il faut avoir 4000 heures de visionnage pour que ta chaîne soit monétisée. Mais quand tu prends les choses d'importe comment, tu balances, tu prends les vidéos que les gens se poignardent, tu balances. On va bien regarder, non? Mais au moment où tu vas atteindre les 4000 heures de visionnage, tu vas atteindre les 1000 abonnés, YouTube va te dire que ta chaîne ne sert à rien. Donc ta chaîne est irrecevable. Donc faites très attention. Ça, c'est des conseils que je vous donne que moi, je ne connaissais pas au départ. Moi, je vais vous dire, jusqu'aujourd'hui, avec le temps, je vais créer une autre page officielle Facebook. Jusqu'aujourd'hui, Facebook m'a bloqué la monétisation. Il devait te dire au moins ça 300 000 au moins sur Facebook. Et Facebook n'a jamais accepté la monétisation. Parce que quand j'ai créé ma chaîne, ma page officielle Facebook, personne n'était là pour me conseiller. Je balançais les vidéos en désordre comme ça. Je balançais les vidéos n'importe comment. Quand la monétisation est arrivée, quand j'ai atteint, parce qu'ils ne donnent même pas leurs conditions, je ne connais même pas sur quelle base Facebook, sauf si il y a certaines personnes qui connaissent. Quand la partie de la monétisation s'est affichée, ça Facebook m'a donné les informations que ta chaîne peut être monétisée. Dès que j'ai cliqué envoie les infos pour demander les informations, on a dit que ma page est illégale. Ou c'est illégal. Je vous assure. Mais je vais reprendre les commentaires après parce que il y a trop de commentaires. Je vais reprendre pour qui laisser l'autre. Je vous assure que jusqu'aujourd'hui, Facebook m'a refusé la monétisation. Et dès que les gars là, ils ne sont même pas comme YouTube. Parce que YouTube, quand il te bloque même la monétisation, il te dit que voilà, il te donne le motif. Après, il te donne un délai qu'après un nombre de temps, on peut monétiser ta chaîne. Mais quand YouTube t'a dit que mon ami, au revoir, c'est au revoir. Il te donne le motif et que tu as partagé une vidéo. Moi, ma sanction, c'est une seule. J'ai dit une seule vidéo. J'avais partagé quoi, la vidéo là. La vidéo où une maman, une berceuse, une bonne, une nourrice, voilà, c'est comme ça on les appelle, était en train de maltraiter l'enfant de quelqu'un. C'est ça que j'avais partagé. YouTube m'a bloqué pour la vidéo là jusqu'aujourd'hui. Donc il faut faire très attention. Moi, c'est des petits conseils, des techniques que je vous donne comme ça, que moi, je n'ai pas eu au départ. Que moi, je ne connaissais même pas. Quand j'ai créé ma page, je balançais n'importe quoi. Et ça m'a cloué jusqu'aujourd'hui. Ça dépend de la façon dont tu communiques avec le robot de Facebook. Ah, peut-être si tu as une autre stratégie, je vais te contacter, Ibe. Tu vas me dire comment ça se passe. Parce que moi, là, depuis, j'ai demandé la requête. J'ai demandé de revoir ma page. Il lance l'analyse. Après, ils me disent toujours, non, irrecevable. Bon, voilà. Mais, c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Je suis fier parce que nous sommes ensemble, on communique. Et la page est toujours importante. Même si ça ne monétise pas, on peut faire beaucoup de choses avec une page qui a beaucoup d'abonnés et des gens qui te suivent. Voilà, donc c'était ce que j'avais, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Il est 18h10, donc nous avons fait pratiquement 40 minutes de communication. Une inflation ne peut pas détruire ta capacité à gagner l'argent définitivement. Tu parles ce que tu ne connais pas, mon frère. Je t'assure. Ces gars-là sont compliqués. Les gars de Facebook sont compliqués. Et que c'est sur YouTube que les gars sont tolérants. Et YouTube même m'a bloqué la monétisation pendant trois mois. Oui. Mais après, ça a repris. Donc c'est comme ça. Donc, ce sont les algorithmes. Il y a des stratégies. C'est juste que les gars ne connaissent pas.
Ok, mon frère, je vais te contacter. Là, tu vas alors m'expliquer comment ça se passe. Parce que je suis en train de perdre beaucoup sur Facebook. Beaucoup. Beaucoup sur Facebook. Beaucoup. Nul n'a le monopole du savoir. Nul n'a le monopole du savoir. Même mon boss, mon manager, même lui, il ne connaît pas. Il a tout fait. Rien. Facebook refuse toujours. Peut-être qu'il y a d'autres stratégies. Il est 11h10 ici. C'est où? Aux États-Unis? Donc voilà la famille. Je vous dis merci, hein. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Rassurez-vous, j'ai reçu vos conseils. Les gars me disent qu'il ne faut pas attaquer là-bas, il faut pas. Je vous ai dit que moi, je n'ai pas attaqué la base, donc c'était pas le clash. Il fallait aussi un petit truc de temps en temps comme ça pour vous secouer, les gars, pour que vous commentez, pour que vous bavardez. Hein? Parfois, il faut ça. On va pas seulement rester dans les trucs sérieux, sérieux, sérieux. Vous voyez, quand je fais un truc sérieux, vous voyez le nombre d'abonnés, le nombre de personnes connectées, non? Mais dès que je lance un truc de clash, vous allez voir les gars vont venir se verser parce que les gens aiment ça. Les gens aiment que la division. La division. S'il te plaît, arrête d'attaquer la base. Moi, je n'attaque personne. Moi, je n'attaque personne, mon ami. Je n'attaque personne. Moi, j'ai dit juste dit que ce que ces femmes-là ont fait n'était pas bien. C'est tout. Est-ce que j'ai dit quoi de mauvais? Est-ce que j'ai menti? C'était pas bien. Et tout le monde condamne ça. C'était pas bien. Voilà. C'était juste une parenthèse. Donc, pour ceux qui n'étaient pas en direct, vous allez suivre le direct après. Vous passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Hein. Et merci encore infiniment pour le soutien. Je vous aime. Bisous. Bye bye.